je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera 5 DIY et astuces pour organiser votre bureau, qu'il soit beau, organisé, rangé et surtout inspirant, qu'on ait envie de s'installer et de travailler, de faire du bon boulot. En tout cas, j'espère que ces idées vous plairont et vous seront utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. Et si vous voulez voir la nouvelle organisation de mon bureau, je vous donnerai rendez-vous vendredi à 18h sur la chaîne. Je vous montrerai tout ça en détail et je vous montrerai maintenant comment j'ai disposé mon bureau, puisque comme je disais sur Instagram, tout a changé ici sans que je n'achète rien du tout, juste un détail. Je le dis parce que comme je dis que j'ai rien acheté, j'ai juste acheté une chose, elle est importante quand même, mais ça m'a coûté vraiment pas grand chose. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc si un room tour vous intéresse, vous me le dites surtout dans les commentaires. Et pour le desk tour, je vous donnerai rendez-vous vendredi sur la chaîne. Maintenant, j'arrête de papoter et c'est parti. Pour ce DIY, on va avoir besoin de papier. Moi, j'en ai choisi un avec des petits pois roses qui sont très clairs. Et je vais commencer par découper des rectangles totalement identiques. Et on va faire 3 paquets différents. Il va y avoir un paquet de 4, un paquet de 10 et un paquet de 12. Il y aura donc un paquet avec 4 rectangles qui seront des chiffres de 0 à 3. Le deuxième paquet, ce sera des chiffres de 0 à 9. Et pour le troisième, ce sera les 3 premières lettres de chaque mois. Moi, j'ai choisi de les écrire en anglais et une fois qu'on a terminé, on les perfore, voilà, juste un petit trou au milieu et tout en haut. Comme support, j'ai choisi un cadre profond, je retire le fond, je le garde sur le côté, par contre je vais me séparer de la vitre, elle ne sera pas utile, et je vais prendre 3 crochets de vis qui seront très faciles à enfoncer donc à l'intérieur du support, et vous verrez qu'il y a une petite pointe qui dépasse de l'autre côté. Je vais d'abord le peindre avec une peinture chromée et en même temps ça va peindre mes petits crochets. Une fois que c'est fait d'un côté, je laisse sécher et je vais le faire de l'autre côté. Et pendant que ça sèche, je vais me servir donc du fond de mon cadre qui va m'être utile pour découper un morceau de papier. Ici j'ai choisi un très joli dégradé du rose très très clair vers un rose un petit peu plus foncé. Une fois que les deux côtés sont secs, je replace mon papier avec mon fond juste derrière, je referme tout ça et je vais prendre de la colle que je vais appliquer sur les pointes des petites vis. Ensuite, je vais prendre des petites fleurs en papier que je vais venir tourner, donc elles vont venir s'enfoncer sur les petites pointes. On ne verra plus du tout les petites pointes et puis surtout, ce sera super joli. Vous n'aurez plus qu'à replacer ensuite les petites cartes et évidemment mettre la date du jour et le tour est joué. Cette fois-ci, on va recycler un ancien agenda, donc on va retirer chaque partie et donc on va garder les anneaux et les deux couvertures, celle de devant, celle de derrière. Si vous préférez, vous pouvez aussi déchirer, mais moi j'avais peur que ça abîme les anneaux, que ça les déforme un peu, donc évidemment vous faites comme vous souhaitez. Alors maintenant qu'on se retrouve avec les deux couvertures, vous pouvez évidemment les peindre ou les garder telles quelles, vous faites comme vous souhaitez. Moi j'ai pris un papier qui ressemble à celui du début, mais vous voyez, la couleur ressemble un peu plus à celle des bords, donc les pois sont un petit peu plus foncés, et je vais donc regarder donc les repères par rapport au papier blanc, vous voyez celui qui est à l'intérieur, pas la couverture rose qui est autour, mais bien le papier qui est à l'intérieur, pour pouvoir le recouvrir avec de la colle, et pour ça je mets d'un pinceau pour plus de précision. Maintenant que l'intérieur est fait, je fais l'extérieur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ma nouvelle couverture sera l'ancienne couverture. Là vous choisissez le côté qui vous fait le plus envie. On replace les anneaux et cette fois-ci il faudra resserrer les anneaux puisqu'avant c'était très épais avec tout l'intérieur de l'agenda. Là cette fois-ci c'est beaucoup plus fin et comme ça, ça tiendra beaucoup mieux. Cette fois-ci vous allez prendre les post-it de votre choix. Moi j'ai choisi ceux-ci qui sont juste trop adorables et surtout ils sont très utiles. Et ils correspondent tout à fait au style que j'aime. Donc je vais prendre mes ciseaux et je vais découper la partie cartonnée qui est en dessous, puisqu'en fait tous les post-it sont collés sur une petite feuille cartonnée. Et je vais donc les positionner comme je souhaite. Vous avez vu les deux d'en dessous, je les garde sur le côté. Et je vais m'en servir dans le DIY prochain. Avec mon pistolet à colle, je colle tous les petits blocs de post-it. Et si vous souhaitez utiliser des plus gros post-it, n'hésitez pas à prendre un support beaucoup plus grand. Et pour ma couverture, j'ai choisi quelque chose de très simple, puisque je vais écrire le mot « note » avec des petites lettres en bois. Et en plus, il y a un petit adhésif de l'autre côté. En fait, il y a un côté qui fait très blanc. Et c'est donc le côté
où il y a l'adhésif, donc il est en dessous. Et je vais prendre un gros feutre noir et je vais colorier les lettres en noir. Je m'aide d'un crayon pour être plus précise et pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Et il n'y a plus qu'à coller les lettres. Je me sers d'un papier pour qu'elles soient toutes bien au même niveau. Et c'est terminé, les post-it qui traînent sur votre bureau. Vous aurez tout au même endroit. Vous devez le savoir, j'adore utiliser des boîtes de conserve pour créer des DIY. Et cette fois-ci, on a pris 4 boîtes de 4 tailles différentes. Et je vais prendre ma peinture préférée qui, en plus, n'a pas besoin de sous-couche pour accrocher à ce support. Donc là, c'est parti. J'applique une première couche que je vais laisser sécher et ensuite, j'en appliquerai une deuxième. Alors c'est totalement optionnel, si vous souhaitez vous pouvez faire comme moi et utiliser de la peinture qui va rendre votre support magnétique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué sur la moitié du pot puisque l'arrière n'est évidemment pas nécessaire puisque j'y aurais pas accès. Une fois que j'ai laissé sécher la première, j'en ai appliqué une deuxième que j'ai laissé sécher également. Vous aurez compris que la première couche de peinture rose sur ce support-ci n'était absolument pas nécessaire puisqu'on aurait pu appliquer directement la peinture magnétique. Une fois que la première couche était sèche, j'en ai appliqué une deuxième et à ce moment-là, on ne peut plus distinguer où j'ai appliqué de la peinture magnétique ou non. Donc ça, c'est super cool. À ce moment-là, vous gardez la couleur unie ou comme moi, vous pouvez rajouter des petits motifs. Et pour ça, j'ai créé des petites croix avec un pinceau qui est de taille moyenne et de la peinture blanche. Donc au départ, on ne voit pas trop, mais vous allez voir qu'on va appliquer une deuxième couche par-dessus. Alors c'est très très simple comme motif, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait et je vous assure que le résultat sera nickel. Une fois que les pots seront secs, vous pouvez les coller entre eux. J'ai choisi de ne pas le faire pour pouvoir épouser la forme de mon bureau au maximum. Et donc, je vais me servir de l'angle. Donc, je vais les positionner comme ça m'arrange. Je remplis avec ce qui est nécessaire. Et comme vous pouvez le voir, je vais me servir des deux post-it qui restaient pour y coller au dos un aimant. Et ça va me permettre de les positionner sur le petit pot avec la peinture magnétique. Alors, un indispensable pour mon bureau, c'est la to-do list. Pour ça, je me suis servi d'un cadre de taille A4. J'ai retiré le fond, j'ai pris de la colle à papier. J'en ai bien appliqué sur le fond. J'hésite pas à bien appliquer aussi dans les coins. Je place une feuille de papier. Donc là, j'ai pas eu besoin de la redécouper puisque c'est une taille A4. Mais sinon, vous redécoupez à la bonne taille. Je vais maintenant créer 4 zones avec mes post-it. Et vous pouvez voir qu'il y a un effet un petit peu aquarelle dessus. Vous pouvez reproduire ça aussi sur votre papier si vous le souhaitez ou si vous n'avez pas de post-it. Je vais découper ensuite un rectangle dans du papier gris et je vais écrire avec un crayon « To-do list ». Donc là, vous voyez, je l'écris assez serré et assez haut. Là, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Vous faites des petites corrections si c'est nécessaire et on repasse avec un feutre. Je retire les traces de crayon avec ma gomme et je vais placer un petit point au début et à la fin de to-do list, je centre mon texte et je découpe un petit triangle pour que ça fasse un effet banderole. Ce n'est pas obligatoire, si vous préférez un rectangle, ce sera très joli aussi. Je retire à nouveau les traces de crayon et je place de la colle de l'autre côté. Une fois que j'ai positionné bien au centre, je vais à l'intérieur des post-it créer dans le premier à gauche, tout en haut, des carrés mais avec les bords arrondis. Ça permettra de cocher une fois que les tâches seront réalisées. Pour le deuxième, j'ai écrit « urgent », donc là, moi, j'ai écrit tout en anglais dans cette vidéo. Vous l'écrivez en français si vous préférez, bien évidemment. Et j'ai écrit ici « ne pas oublier ». Pour le quatrième, j'ai décidé de faire exactement comme le premier. Et une fois que vous êtes content du résultat, il n'y a plus qu'à repasser avec un feutre. Là, j'ai pris le même que tout à l'heure, c'est un gris foncé. Et pour le titre, je vais rajouter une deuxième fois du feutre pour qu'il y ait plus de contraste. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli comme ça. Alors autour de chaque zone, j'ai décidé de rajouter des petits traits. Donc là, vous voyez, je le fais autour de la partie en gris, donc du titre. Et je vais faire exactement la même chose autour de chaque post-it. À ce moment-là, ça rajoute un petit peu de contraste. J'aime bien ce détail. Évidemment, c'est optionnel si vous n'aimez pas. Et une fois que c'est sec, je replace tout ça dans mon cadre. Je le referme. Et ça y est, c'est parti. Vous pourrez écrire ce que vous voulez avec un gros feutre. J'ai écrit en anglais comme pour le fond. Donc là, vous faites comme vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez fait les tâches, il n'y aura plus qu'à cocher.
On termine avec une astuce très pratique et pas chère du tout. J'ai pris des petits boutons que j'ai achetés 50 centimes puisque je les ai achetés en solde et ils sont trop mignons avec des petites glaces. Cette fois-ci, on va prendre des aimants et on va prendre aussi un pistolet à colle ou la colle de votre choix. C'est pas obligatoire que ce soit un pistolet à colle. On positionne un petit point de colle chaude et c'est déjà terminé. On a une astuce très rapide, pas chère du tout et super pratique. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Vous n'hésitez pas aussi à me donner toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très très vite. Bye !